Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sur Series X. Alors, je vous préviens tout de suite. J'ai chopé la rhino de mon gamin. Donc, ça va être un petit peu compliqué. J'ai un peu mal à la gorge. Ok. Donc, ça va être un peu compliqué. On va se faire ça tranquillement et je vais parler tranquillement aussi. J'avais fait une vidéo à l'époque sur le premier sur PC. Donc, ouais, je regarde vite fait les paramètres, hein, mais voilà, ça commence. J'avais fait une vidéo sur le premier à l'époque. Donc, on va se faire une petite vidéo sur le 2. Ok, donc là, après, on va avoir plusieurs endroits où on va pouvoir aller. Bon, pour l'instant, on peut aller que sur le premier, c'est pas plus mal. Là, après, c'est des choses à débloquer. Ça va se débloquer petit à petit, je pense, hein. Le journal et les paramètres. Ok, bon. Ah, on y va. On va pas se mettre dans le mode le plus facile non plus. Mais bon. Donc on va avoir un tuto. Après, je vais peut-être vous passer les. Je vais vous faire des cuts, hein, histoire que la vidéo dure pas trop longtemps et qu'on voit quand même des choses intéressantes. Après, ça restera une vidéo découverte. Hein. Ok. Mais bon, même si c'est une vidéo découverte, si on peut. Déjà, je suis pas content parce que ça rame. Mais sur Series X, les gars, et le jeu, il est optimisé Series X et il tourne pas à 60 images secondes déjà. Il n'y a pas un paramètre pour ça? Je vais regarder quand même. Vidéo. Ah non. Déjà, je suis pas très content. On est sur Series X, le jeu il est censé être optimisé et il rame déjà. Mon Dieu, c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rame comme ça? Non mais c'est affreux, après je. Je verrai. Ok, les jumelles. Excellent. First target down. Allez. Ouais, c'est compliqué quand même, hein. Two more to go. C'est hallucinant. Comment ça rame? The drone can hack CCTV boxes. We're looking into possible upgrades later. There's a CCTV access point in the building below.
Send the drone in and hack it. Hop. On va utiliser le drone pour aller hacker ça. Une petite latence avec le drone. Pas facile. Oulala. Cette vidéo, ça va être une catastrophe. Hop, on va ranger le drone. These auto turrets sync with your HUD. You still need to mark hostiles for the turret manually, but it can then fire at your command. Alors la tourelle sniper télécommandée, c'est ça? You set it up via your mask's binocular mode. Activate that now. Focus on the hostiles you tag with the drone. Then you need to mark them for your turret. Remember, turret marking is separate from your binocular tagging. Exit binocular mode. Command the turret to fire. Once marked, you can execute the fire command anytime. Ensuite, comment on fait? D'accord, comme ça. Ok. Oh là, attendez, il y a un chat qui est pas à moi dans la maison. C'est pour ça que ça grogne depuis tout à l'heure. Attendez deux minutes, je vais faire une coupure parce que ce chat n'est pas à moi. You're done with gear familiarization. One thing I should mention. You can use a turret's inbuilt camera for Overwatch, or use it to execute simultaneous shots, if needs be. Also, the turrets are under constant development. We may be able to upgrade them later. That's all the new gear covered. Est-ce qu'on peut se barrer? Test special ammo too. Alors, capacité. Ok. Ok, par contre, il y a un truc. J'espère vraiment que... Et j'ai très peur, mais... Le fait que ça rame comme ça... J'espère sincèrement que c'était le tuto, et même là, ce serait pas normal, mais... Que le reste du jeu tourne normalement, parce que là, c'est affreux. Que ça rame comme ça sur Series X, j'espère que qu'ils vont faire un truc, parce que c'est pas normal que les versions de nouvelle génération rament comme ça. Bon, allez. On va choisir lui, hein. De toute façon, je pense qu'on va pas faire la mission entièrement. Le record pour le plus long sniper kill belongs to a Canadian Special Forces officer. Intel indicates light foot patrols. Oh bordel, non, ça rame partout en fait. Mais comment ça tourne sur la PS4 et la Xbox One si ça rame comme ça là? Le plateau vous fournira avec 3 OPs qui overlookent chaque location target. Ils devraient vous donner une bonne ligne de sight sur les hostiles. Ça sonne comme un piece de cake, except for the range, et avec no spotter. Ok. Laissez-moi ouvrir la carte. Ok. I'm confident you won't miss. It's one of the reasons we picked you. No pressure then. Let me know when you've reached the first OP. Roger that. Raven out. Je m'attendrais qu'il y ait personne quand même par là.
Mais c'est abusé, comment ça rame? Je vais... Merde. Ouais, là, forcément... On va faire un peu la guerre, hein. Je me disais c'était impossible qu'il y ait personne. Non mais par contre, je suis vraiment choqué par la fluidité, quoi. Je sais pas comment ça tourne sur PS4 et One, mais là c'est abusé. Parce qu'après, bon, c'est pas... Sans être extraordinaire. C'est comme le premier, c'est pas dégueulasse visuellement. Là, on est caché. Boum. C'est ça. Copy that. Mobilizing search. Stand by. Out. Ah. Ça, c'est pas terrible, ça. On me cherche, on me cherche. On m'a trouvé. Oh putain. Bon, je sais, c'est pas du tout comme ça que ça devrait se passer, hein. Et je vous l'avais dit, je suis très nul. Parce que là, si jamais il est tout seul, est-ce que je peux pas arriver derrière lui et... Voilà, comme ça. Merde, par contre son corps est tombé. Control, this is Raven with a sit rep. Roger Raven, go ahead. I'm heading for the OP overlooking the port. Good. We just received some fresh intel on Zaza. He may be conducting a deal today. Our sources tracked a known weapons supplier crossing the border earlier and heading on the main road to that location. If we're lucky, you'll catch them both. Oh là là. J'avais prévu, hein. J'avais prévenu que j'étais ultra nul. Ouh, celle-là, il va la prendre en pleine face. Oh, c'est dégueulasse. Vite que je bouge de là. Vite que je bouge de là. Parce que là, ils sont en train de me chercher. Et ça arrive devant, et ça arrive en masse. Quelle distance il est le truc à 200 mètres?
tu vas la prendre. Oh là 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 là. Wow. Dans Sniper Elite, on voit la balle traverser et puis on voit le. On voit souvent le. Genre le squelette qui pète ou. Là, c'est encore pire. Voilà, tête éclatée. Bon, je vais faire pas mal de cuts hein, dans cette vidéo. Ça va être un petit peu haché, je pense. Mais pour le bien de tout le monde et au vu de mon niveau, ce sera mieux. In position above the port. Ah, là c'est assez joli par contre quand on regarde là. Zaza's likely to run if you miss. So no alarms? Well, not before Zaza is dead at least. Alors. Ouais, ça doit grouiller de partout, mais oui. Good luck. Send when ready. On va le surveiller. Puis on va voir. Je vais être capable de le louper. S'il te plaît, arrête-toi quelque part. Gentiment, que je t'en colle une et qu'on n'en parle plus. J'aurais bien aimé qu'il passe à côté des explosifs, mais bon. Non, là, je vais le louper là. Je sens la connerie arriver, je vais la rater. Heureusement, personne n'a rien grillé. S'il te plaît, tu peux t'arrêter un moment là? Bollocks, the base is on alert. It's not good. Don't let the bastard get away. I'm on it. Putain, les mecs, ils m'ont grillé, hein. En plus. Base, we have visuals on target. Awaiting mortar clearance. You've blown it, Raven. Bon bah, échec du contrat. Dommage, bon bah. On va s'arrêter sur un échec. Hein. En tout cas, ici, franchement, visuellement, c'est assez joli. La flotte et tout, j'avoue. Mais par contre, ça n'excuse en rien le fait que le jeu rame comme ça. Clairement, ça, c'est pas quelque chose de normal. Bon bah, j'ai loupé le contrat. Écoutez. Quel abruti, je crois que j'ai jeté une grenade. Bon, c'est pas un bon calcul parce qu'ils sont deux. Ouais, visiblement, ils...
Visiblement, il est un tout petit peu con quand même, lui. Hop. Ah, c'était quand même pas un très bon calcul, mais bon. Ah, c'est peut-être juste un caillou que j'ai jeté, effectivement. Bon, allez. On va s'arrêter là-dessus. Et je vous remercie aussi pour les retours que j'ai sur la vidéo de Biomutant, puisque j'ai eu des bons retours. Beaucoup de pouces bleus. Et cette vidéo-là, je sais que ça va faire comme celle de Knockout City, à mon avis, vu que c'est une découverte, gameplay, machin, que je maîtrise pas trop le jeu. il va y avoir moins de pouces bleus, je pense, hein. Mais c'est pas grave. Écoutez, moi, ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo aussi. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.